Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Keyos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ce qui sera en fait une multi-ouverture. On va se faire un booster de différentes séries à chaque fois. Donc là j'en ai pris un peu au pif comme ça, voilà. Donc il y a aussi de l'offensive de l'Evo. Donc je vais vite fait vous présenter les séries. Donc ce qu'on va se faire pour cette première. D'ailleurs, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, bon bah du coup, voilà, on pourra vous en préparer d'autres. Bon, ce sera pas forcément toujours 10 boosters ou les mêmes séries. Enfin bon. Donc voilà, donc on est parti. Donc on aura de l'impulsion turbo. Voilà, du destiné futur. Du glaciation plasma. D'ailleurs, je pense qu'on va faire ça déjà comme ça. On aura un petit soleil et lune. Un point furieux. Un XY de base. Un ciel rugissant. Et j'ai aussi pris un vigueur spectral, un offensive vapeur et un évolution. Alors déjà, on va commencer par ce sous-blister. Parce que ce sera les plus chiants à ouvrir, obligatoirement. Non, là, il y a encore... Non, attendez, ça, c'est de l'impulsion. Je les ai mis où ? Là, il y a encore de l'impact des destins, mais aujourd'hui, on ne fait pas. On en fait 10, donc bon, bah on verra. Hein. Donc, tac, ça, je mets... je sais pas où le mettre, je le mets là. On va faire ça comme ça, on verra pour l'ordre après. Donc là, on va commencer par offensive vapeur. Enfin, ouais, j'ai envie de commencer par offensive vapeur. Donc, je vais ouvrir ça, on va y aller tout de suite. Hein. Donc voilà, hein. Bah, tac, je passe juste derrière 2 secondes. Quand j'arriverai à le sortir, le petit, il veut pas sortir. Tac. Ça, je jette. Ouais, donc du coup, comme dit, donc c'est la première de la multi-ouverture. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire en com. Comme ça, bah, au moins, on sait qu'on pourra en refaire. Hein, donc il n'y a pas de souci. Ce serait peut-être une fois par semaine. Comme ça, en même temps, bah, ça nous permettra de voir un peu les cartes de plusieurs séries. Et puis, bah, voilà quoi. Donc allez, on est parti, on perd pas de temps. Donc, Pifeuille en première carte. En effet, pâte à modeler derrière son arbre là. Donc on s'attardera surtout sur les cartes que moi perso je trouve belles. Après, après on verra quoi. Hein. Donc lien spirituel, garde-voir, Trousselin, ça c'est horrible par contre. Hein. Farfuret, Moustillon. Bon, il est trop chou. Passe rouge, Pyronie, Miaous, totalement effrayé. Un Lugulabre en rare reverse. Et on termine avec un petit Spiritomb. Donc ça, c'est bon pour le premier. Donc on enchaîne ensuite avec de l'évolution. Avec le petit booster Raichu. J'avais envie de prendre le booster Raichu. Ouais. Parce que j'ai pas envie de taper la caméra quand même. Tac. Hop. Ça, on jette. Et on est parti. Bon après voilà, donc c'est une multi-ouverture, il y a des boosters dans toutes les séries. Tomber sur une ultra, ce serait quand même super chouette. On va pas s'en plaindre parce que c'est un peu ce qui nous arrive assez souvent, hein, vous le savez, hein, on a souvent des ultras quand même dans les ouvertures, enfin. Eh ben en tout cas c'est une secrète. Alors attendez, je vais juste prendre les protections parce qu'elles sont à côté, mais vu que le truc est entièrement fermé. Tac, voilà. Donc en moins, on commence directement avec une petite Pikachu Surfer secrète. Bon, ben, c'est pas plus mal. Hein. Donc ça, je vais mettre sous protection. Tac, voilà. Bon, on la laisse là, du coup, c'est notre pioche. Détermination d'Ondine. Non, il faut... Ouais, bon, c'est pas grave. Porygon. Titar. Sac de nœuds. Voltorb. Une énergie fée. Onyx, Smogo en reverse, et on termine avec... Ben voilà, avec une petite EX, c'est parfait, un petit Florizarre EX, donc dans le booster évolution. Bon, c'est pas... Pour moi, c'est pas la plus belle, ça c'est sûr. Sans compter, si je dis pas de conneries, elle était pas dans Génération, dans XY de base. Enfin bref, je sais plus. Mais du coup, voilà, on va pas s'en plaindre, ça reste une EX. Donc tac, on la met dans sa petite protection, voilà, et on la met à côté du petit Pikachu Surfer. Donc ensuite, on passe à Vigueur Spectral. Alors celui-là, bon, comme je vous avais dit, hein, c'est les boosters québécois. Alors attendez, il faut que j'arrive à passer là-dedans. J'ai pas envie de prendre les ciseaux parce que sinon, j'ai pas beaucoup de place. Ah là là, décidément.
Bon, on va faire tous les côtés, hein, ça passera bien un jour. Non, toujours pas? Tu veux pas? Si, ça a l'air bon. Ok, nickel. Tac. Et tac. Ouais, donc j'ai pris un petit Elexprim, j'ai pris au pif. J'aurais préféré prendre un ectoplasma, mais j'aurais dû fouiller, j'avais pas trop envie. Donc tac, on est parti tout de suite. Vigueur spectrale. C'est quand même une super série. Elle est magnifique, cette série. Avec le petit code. Avec, bien entendu, les ultras, la ectoplasma en foulard. Moi, je l'adore. Franchement, je suis aux anges avec cette carte. Alors, Professeur Platane, Nosferalto, Trousselin, Caïminus, Mamambo, Chuchemure, Sucroquin, Mediena, un leurre en reverse, et on termine avec... Bah, oui, bon, hein, voilà, il y en a d'autres, on sait jamais, avec un petit Yanmega. Bon, tac, donc, booster suivant. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à le dire, parce que moi, perso, j'aimerais bien qu'on termine avec ces deux-là, là, Impulsion et Soleil et Lune, j'aimerais bien qu'on termine par ça. Sinon, on va les faire, en fait, par... par ancienneté, donc si je dis pas de bêtises, c'est XY, ensuite point furieux, ciel rugissant, donc ça va faire comme ça. Glaciation destinée. Alors là, par contre, j'ai un énorme doute. Je crois que Glaciation est sorti avant, si je dis pas de bêtises. C'est du 2013. Bah non, c'est peut-être destinée. Ok, bon, bah on va commencer par destinée, donc qui est de 2012. Ensuite, on fera Glaciation Plasma. Tac. Hop. C'est parti, c'est ouvert. Le petit code, il est toujours pour vous. On ne change pas les habitudes. On fait 3 et on est parti avec Multi XP en dresseur, Viscuse, Niveau Ball, Caninos que j'adore. Franchement, un Arcanin GX, un Arcanin Foulard, ça doit être magnifique, quoi. C'est quand ils veulent qu'ils le font, quoi. C'est Archéomir, Trompignon, Poichijon, Funessir, Chinchidou en reverse et on termine avec un petit Dimoré. La carte est quand même super jolie. Hein. Ouais, elle est vraiment super belle. Allez, on enchaîne. Glaciation Plasma, du coup, maintenant. Tac. Tac. Hop, le petit code. Voilà. On refait du 3. Alors déjà, j'aime pas du tout. Là, vous voyez, elle est totalement éclatée, la dernière carte. Donc, espérons que ce soit pas une ultra. Parce que ça me ferait un peu chier. Aquali. Oh, elle est trop belle. Il est vraiment bizarre, mais je l'adore, je la trouve trop trop belle. Écrémeux, Mélancolux, Sort Bébé, Hippotrempe, elle est vraiment belle cette carte aussi. Arco, Tadmorve, alors celle-là par contre... vous entendez dehors? Allez. Course poursuite, alors tout à fait, Kyurem, oh, elle est jolie. Kyurem en Rare Reverse. Ah, elle est vraiment belle. Celle-là, je la mets sous protection, par contre. Et on termine avec... Non! Non! Ok, alors la protection, c'est d'abord sur celle-là. Bah, une secrète. Voilà, on termine avec une secrète. Donc là, j'arrive pas à voir sur l'écran... La 118 sur 116, la Cryptero, elle est magnifique. Ah, elle est super belle. Ah bah là, je m'en fous de son petit pet qu'elle a à l'arrière, là. Ça, je m'en fous total. On l'a pas. C'est directement dans la collection, parce qu'en plus, Glaciation, ben, on a vraiment pas grand-chose du tout. On a même, il me semble, ouais, bah, rien du tout, en fait. On doit avoir une ou deux ultras. Ah, elle est vraiment jolie. Ah bah là, là, je suis vraiment super content. Désolé, petit Pikachu. Mais, et Florizarre. Mais, ouais, mais elle glisse. Non. Attendez, je vais réussir à la mettre sans qu'elle se pète la gueule. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, alors attendez, je vais faire autrement. Parce que cette carte-là, voilà, je la trouve vraiment belle. Donc, j'ai pas envie que... Donc, tac. Voilà. Normalement, je mets toujours 3 protections quand je fais ça, mais juste un peu taper. Voilà. Maintenant, j'espère qu'elle va tenir.
Tac, elle tient toujours pas, elle a pas envie. Bah, hop, on va la mettre là. Non, elle tiendra pas. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà, là, elle tient. Et la petite QRM, on va aussi la mettre sous protection parce qu'elle est quand même super jolie. Donc, tac. Hop. Ah bah, j'aime bien ce principe de multi-ouverture. Hein, parce que si on se tape des secrètes, sincèrement, c'est génial. Allez, on enchaîne avec XY de base. Donc, un booster Tortank. Ah, c'est parfait. Ah là, franchement, c'est parfait. Le petit code. On nous refait du 3. Et c'est parti avec Tenefix, Rappel Max, Celeroc. J'arrive pas à me cadrer correctement, je suis désolé. Fennec, Rondoudou, Scalpion, Spoink, j'adore. Monorpal, Mascaïman en reverse. Et on termine avec un petit Zoroark holographique. Qui est vraiment joli aussi. Bon, le Pokémon, j'ai un peu de. Enfin, c'est pas que j'aime pas le Pokémon, mais c'est le dessin. Bon. Ouais, j'aime pas des masses. Mais bon, la carte en elle-même avec l'holographique est vraiment jolie. Donc, la petite protection qui va bien. Paf, et on enchaîne. Point furieux ce coup-ci. Donc, on verra. Donc, du coup. Ok, bon, il me tombe des mains. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tac, donc comme dit. Oh là là, c'est booster. Donc, comme dit, bon, c'est un peu long, mais voilà. Si vous appréciez un peu le concept du multi-ouverture, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, je le redirai à la fin de la vidéo, comme ça au moins, voilà, pour en reparler un peu. Donc, allez, on est parti. Donc, une énergie spéciale, énergie renforcée, un coup de langue. Qui est très apprécié. Amagara, pardon, oui, voilà, j'ai fait une blague de merde, du coup, je suis totalement perturbé. Rapion, Kungfouine, Magmar, Escargot, et il y a les flics qui repassent. Chétiflor, Scrutela en reverse, et on termine avec un Rexilius. Ouais, voilà, tac, on enchaîne. Ciel rugissant. C'est Latios, hein, c'est ça? C'est Latias? Non, c'est Latios. Bon, c'est un méga. Dites-moi que c'est méga Latios. Bon, vous me le direz en com. Je suis sûr que je me suis trompé, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Donc, ça, c'était les boosters, hein, vous savez, qu'on vous avait montré, là, que je vous avais montré. C'était moi, je crois, dans la réception numéro 2. Les boosters totalement éclatés. Bon, celui-là, voilà, ça va un peu. Il est un peu fripé, mais bon, c'est pas. J'ai pas fait le 3. Non, j'ai pas fait le 3. Donc, 1, 2, 3. Tac, et on est parti. Foulard apaisant, Draco. Elle est vraiment jolie cette carte. Ah, elle est vraiment jolie. Noix de coco, j'adore. Là, je suis désolé, j'adore. En plus, voilà, il fout le bordel un peu partout. Ouais, j'adore cette carte, je la trouve trop mignonne. Natou. Bon, elle est jolie aussi. Hein. Faut pas déconner. Passerouge, Chenipote, Nirondelle, Dinavolt, Noix de coco en reverse. Bah, là, je suis content. On l'a déjà, mais je suis content, je la trouve trop belle. Et on termine avec. Ah oui. Ah bah je dis oui. Avec Latios. Alors, donc c'était Latias. Voilà. Donc, bon bah désolé. Hein. Donc avec un petit Latios EX qui est vraiment joli. Ah ouais, elle est vraiment vraiment belle. Alors attendez, il faut que je la prenne sur les côtés parce que le but c'est pas de l'abîmer. Tac, on la met dans la protection. Je suis passé sous la caméra, du coup j'avais du mal à voir. Et tac, ah elle est vraiment belle. Ah ouais. Ouais, c'est franchement une chouette ouverture pour le moment. Bon, allez, il nous en reste plus que deux, un Impulsion et un Soleil et Lune. Non, on va faire Soleil et Lune d'abord, tiens. Allez, pour le fun. On va laisser Impulsion pour la fin. Tac. Hop, on va. Bon, bah tant pis, on va l'ouvrir de ce côté-là. Pas dans mes habitudes, j'aime pas trop ça, ça me perturbe un peu. Tac, le petit code, on fait du 3, la quatrième, on l'enlève, c'est de l'énergie. Tac, et on est parti. Alors, Altéo, Quatermac, Attrape Pokémon, Brindibou, Cosmog, Ponchio, Goélise, Snubbull, Brindibou en reverse, et on termine avec. Ah bah écoutez, voilà. Moi, j'ai rien à dire. je n'ai absolument rien à dire. C'est une ouverture de dingue et j'adore ça. Ah, j'adore. C'est pour ça, vous voyez, qu'on fait des ouvertures. C'est pour ça, c'est pour garder, sincèrement, vraiment tout le temps en mémoire des instants comme celui-là, quoi. C'est juste ce qui se passe là. C'est exceptionnel. Moi, perso, je kiffe. Il manquerait plus que là-dedans, on ait une petite Mewtwo secrète. Allez.
Voilà. Et dedans, il y a une petite news secrète. Bon, on peut toujours rêver, non? Bon, après, ce serait quand même... Tac, ce serait énormissime. Ah, franchement, ce serait énorme. Le petit code. Tac, on fait du 3. On ne cheat pas avec la dernière carte. J'ai pas envie de savoir s'il y a quelque chose ou pas. Alors, Primplouf d'Eden. Elle est vraiment belle, celle-là. Ah ouais, le petit marisson. Et le... zut, c'est pas Pandispiek, ça? Zut, si? Ah, j'ai plus le nom! Et merde. Bon, bah en tout cas, la carte, elle est super belle. Énergie, combustion en énergie spéciale, Marisson, Sepiatop, Pikachu, Magnéti, Osley, Yveltal. Bon, ça, c'est une rare, normalement, non? Oui, c'est une rare. Oui, c'est une rare. Yveltal en rare reverse, qui est vraiment belle. En plus, le Pokémon, là, il a de la gueule. Hein. On peut dire qu'il a de la gueule. Et on termine avec... Ah bah non. On termine avec un petit Meloetta holographique. Une carte qu'on n'a pas souvent eue, celle-là. Ouais, on l'a pas souvent eue. Tac, mais on peut être content. Donc attendez, je mets aussi la petite Yveltal. Tac, sous protection. Et tac. Alors, on va se faire un petit récap de ce qu'on a chopé ici. Sincèrement, c'est pas mal du tout hein, quand on regarde... Je vais en faire plus souvent, je pense, des multi-ouvertures. Même si vous aimez pas, c'est pas grave. Moi, je prends. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, tac. Et celle-ci pour la fin, bien entendu, parce que c'est une beauté. Donc on a fait quoi? On a fait 10 boosters, on a fait du ciel rugissant. Bon, on a fait un peu toutes les séries. Bon, là, c'est une reverse, mais elle est vraiment belle. Donc, on a eu quelques petites holographiques. Bien entendu, on a eu le Pikachu Surfer en secret. Voilà. D'ailleurs, dans le même booster, on aura quand même eu le Florizarre. Donc ça a de la gueule. Le Kyurem en reverse. Le Mental IGX, que j'adore. Parce que bon, c'est un Pokémon que j'adore. Et puis cette carte-là, je la trouve vraiment jolie. En plus, elle est bien coupée ou c'est moi qui rêve? Elle est bien coupée. Hein. Ah bah ça, c'est exceptionnel. Le petit Latios EX. Qui est magnifique, vraiment magnifique cette carte. Je sais pas pour vous, mais moi je l'adore. Le petit Florizarre EX, qui est pas du tout ma carte EX préférée, mais bon, voilà. Et le super Cryptero secrète. Alors, ça, c'est juste. Ça, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Ouais, c'est vraiment terrible. Bah écoutez, bah voilà, bah, vidéo terminée de ce petit concept de. De ce petit concept d'ouverture, de multi-ouverture. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ça, si vous voulez en revoir ou pas. Il y a du stock, donc il y a moyen d'en faire plusieurs à chaque fois, un booster de chaque série. Ce ne sera pas toujours 10 séries, ce ne sera pas toujours du coup 10 boosters. Mais voilà, c'est un truc, c'est, ouais, j'aime bien faire ça, au moins on voit plus de cartes. C'est peut-être pas plus mal, et ceux qui n'aiment pas certaines séries, bah, on aime peut-être d'autres. Donc je me dis que voilà, ça peut être pas trop mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Lâchez un pouce bleu si vous aimez les cartes secrètes. Voilà, comme ça au moins, ça devrait le faire. Niveau programme, bah, comme dit, bah, si ça vous plaît, ce sera une fois par semaine. Ouais, je vous ferai ça une fois par semaine. Et puis du coup, bah voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Il y aura de nouveau des petits liens un peu partout. Il y aura encore le concours des 50 abonnés jusqu'à vendredi. Pensez-y. Enfin, jeudi minuit. Vendredi, c'est le résultat. On vous prépare aussi pour le prochain cap. Bon, on commence à en parler un peu entre nous. Si vraiment on le passe, il y aura un coffret pour quelqu'un. Il y aura des boosters. On fera un truc un peu plus costaud quand même. Donc voilà, donc les liens un peu partout là, un peu partout, voilà. Donc commentez, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir. Et si ça vous a plu, il y en aura d'autres, des multi-ouvertures, il n'y a pas de problème, avec d'autres secrètes. Enfin, j'espère. Voilà, bon allez, moi je vous dis salut à tous et surtout n'oubliez pas, profitez à fond de votre passion.